Salut tout le monde, c'est Barry Onyx et on se retrouve sur Fable. Alors, comme vous pouvez le voir, Moisy n'est pas avec nous. Il a pas voulu venir. Non, le dernier épisode, franchement, c'était l'épisode le plus drôle. Moi, je me suis marré, j'avais des larmes aux yeux. Je sais pas pourquoi, j'ai déliré sur ce truc. J'ai vraiment rigolé. Enfin bon, allez, on continue. Ça annonce le boss. De l'eau comme ça, centrale. Ben non, il n'y a rien. Ok. Alors, tunnel souterrain. Alors j'ai pas vu ce que j'ai gagné. On va aller par là parce que... Merde, je fais n'importe quoi là. Pas de renaître. Ah tiens, pas une nymphe qui évidemment fout son bordel. Elle s'est pas bloquée. Qu'elle s'est bloquée. Ah, là, voilà. Mais où est-ce qu'elle est? Thank you.
Je pense que ça sert à rien de combattre. Hein. Hip-hop à l'infini. Oh putain. Là-haut, j'ai vu un truc. Voilà, ici, sur la map. Un coffre. Amélioration de foudre. Alors, je vais pas y aller maintenant. J'aimerais voir un peu ce qu'il y a ici. Il y a un coffre. Oh, oh tiens. Homme de maille noire. J'obtiens de la renommée en les tuant, ce qui veut dire que c'est les derniers quoi, ils n'ont pas retour. Nickel. Alors... Oh. Fiole de résurrection. Très bien. Prendre une potion. Et... Oh merde! Je m'y attendais pas. C'est des gardes, ça, je peux les tuer. Des morts vivants. Et non. C'est ce foutu. Apparemment. Apparemment, non, c'est juste pas la.
Peut-être qu'ils sont de mèche. Génial. Mais qu'est-ce que tu fais là ? L'amélioration du tranchant de l'acier d'une arme accroît les dégâts que celle-ci inflige. Vas-y. Utilisez. Je savais pas ça. Bon. Chambre de torture. Je vous préviens, touchez-moi encore et je vous brise le cou. Mais
Je vous connais. Non, c'est un piège. Vous n'êtes pas mon fils. L'ordure se paie ma tête. Mais c'est toi. C'est vraiment toi, n'est-ce pas? Que pensais-tu faire en venant ici? Il va nous prendre tous les deux! Peu importe. Nous devons sortir d'ici. Essaie d'ouvrir cette cage. Pas le temps pour ça. Je n'approcherai pas plus près du cimetière. Et je n'irai pas plus loin que ce passage. Tu t'es entraîné? Yes. Dépêchons-nous. Attends, je m'occupe de lui. Tu t'es entraîné? Vite, allons-y. Gardien de... Moisy, là, il était de mèche. Jack! Voyons. Ce n'est pas très poli de prendre congé sans saluer. Salaud! Ton enfant est un vrai héros, chère Scarlett. Savais-tu qu'il avait été sacré champion de l'arène? Tu aurais été si fière de lui. Ça doit être de famille. Comme de se retrouver enfermé dans l'une de mes cellules grand luxe. Espèce d'ordure ignoble. Laisse-le partir. Il ne sait rien. Oh, je crois qu'il en sait plus que tu ne crois. Le sceau de la reine que je lui ai donné m'a montré ses moindres mouvements. C'était très divertissant. Profaner des tombes, sauver de vieux imbéciles, rencontrer sa folle de sœur. Teresa. Oui, ta petite fille chérie est aussi noire. Et elle lui a dit à propos de l'épée et de votre misérable lignée. Et maintenant, très chère, tu vas me dire où se trouve la clé. Aïe. Mettez-vous à l'aise. Nous reviendrons vous chercher, vous et l'autre vermine. Et nous nous amuserons un peu. Quand dites-vous, il aimera ça. N'est-ce pas, Tips? Très donc, gros porc. Du calme, Tips, du calme. Gardez cette énergie pour plus tard. Vous en aurez besoin. N'essayez pas la magie, elle ne marchera pas ici. Le chef a pris ses précautions. À la taille de la cellule. Vous, dans la cellule d'à côté. C'est vous qu'ils ont torturé au tisonnier si longtemps. J'entendais vos cris jusqu'ici. Mais pas de quoi avoir honte. Ces types s'y connaissent en tortures diverses. Attendez un peu. Je vous connais. Vous êtes face de cul, c'est ça? Vous êtes le champion de la reine. Celui qui a renoncé au gros lot pour laisser Whisper vivre, hein? Les gars comme vous sont rares ici. Vous avez fait quoi? Tu es un maire ou des gardes, hein? Je parie que ce salaud de directeur n'en revient pas de sa chance. C'est son anniversaire, là. Tous les ans, on nous sort de notre cellule pour nous mettre au soleil. Qu'on se rappelle comme c'est bon. Puis retour au cachot direct.
Il le fait pas par bonté non plus. On doit courir dans la cour et eux, ils prennent des paris sur le gagnant. Le vainqueur gagne un séjour dans le bureau du directeur. Ce qui s'y passe est horrible. Je peux pas en dire plus. Au moins, on peut observer son antre. Il n'y a plus que des meubles et des livres, je vous l'assure. Qu'est-ce qu'a changé ? Allez, sale chien, c'est l'heure de la course. Et tu as intérêt à nous divertir. Certains gardes ont misé gros sur vous. Vous avez intérêt à gagner. Et pour les perdants, une séance de torture. Génial ! Ouais ! Allez, criez-le ! Génial ! Ah ! Écoutez, bande de rats, je veux voir une belle sale course, avec des coups et de l'action, c'est compris ? Allez, tous en position ! 3, 2, 1 ! Vitesse de pointe! Par là, espèce de chien! Plus vite! Plus vite! Allez, allez, allez! Ça, gonzesse. On se bouge un peu, sale terre de terre. Par là, espèce de chien. Par là, espèce de chien. Allez, allez, allez. On se bouge un peu, sale terre de terre. Oh là là. Bravo. Voici le vainqueur. Garde, emmenez-le dans mon bureau. Bienvenue dans mon humble bureau. Vous avez gagné une superbe récompense. L'une de mes célèbres lectures de poésie. C'est juste. Ces murs de pierre ne peuvent calmer le cœur brûlant d'un poète. Je ne veux pas entendre un mot. Laisser son âme s'exprimer nécessite une concentration totale. Le récital va commencer. Souvenez-vous, je demande le silence total. La triste complainte de l'oiseau en cage. Contemplez le vif, l'audacieux moineau. Lorsqu'il survole ce triste pénitencier, rien ne peut l'atteindre, pas même un carreau. Essayez toujours, mais vous échouerez. De son bec nous parvient sa chanson. 87, année est 1483. Qui vous a permis de bouger ? J'ai dit pas d'interruption. À votre place. De son bec nous parvient sa chanson qui nous raconte qu'il fut mis dans une cage. Jean et Villacay avaient été cachés dans un autre livre. Il est évident que l'art ne vous intéresse pas. Mon opus lyrique est gâché par vos oreilles de philistin. Allez, retour en cellule. Et merde. Bienvenue dans votre chambre secondaire, la salle de torture. On va bien s'amuser ensemble. Ouais, on va bien s'amuser. Les ténèbres de sa cellule consumaient la vie du héros. Et sapaient également sa raison.
Une année de plus s'écoula dans cette prison. Une autre année de torture. Le sang noble et ancien qui coulait dans ses veines, le pouvoir de la guilde, tout cela n'avait aucun sens entre ses murs. Et pendant tout ce temps, Jack of Blades était libre en Albion. Le héros ne pouvait s'avouer vaincu, il se libérerait. Vous allez voir, aujourd'hui est un jour spécial ici. On a quelques frais en cellule avec les autres. Nous revoilà. Restez là, nous allons nous occuper de vous. Vous êtes un peu moins nombreux cette année. Je me demande ce qui leur est arrivé. Oh. Vous êtes vivant. Une nouvelle année, une nouvelle course. Nous devons entrer dans le bureau du directeur, il nous faut cette clé. Allez, sale chien, c'est l'heure de la course. Et tu as intérêt à nous divertir. Certains gardes ont misé gros sur vous. Vous avez intérêt à gagner. Et pour les perdants, une séance de torture. Génial! Ouais! Allez, criez-le! Génial! Je dois penser à appeler un décor. Oh putain. Bon, c'est pas le livre rouge, on va essayer notre livre. Bon. Vous connaissez la chanson! Allez! 3, 2, 1! À moi la récompense! On se bouge un peu, sale terre de terre! Allez, allez, allez! C'est de la torture! Ça s'appelle. Je vais crever, moi! Allez, on se bouge un peu! T'es par là, espèce de sale raclure! Cours, sale vermine! Par là, espèce de chien! T'es par là, espèce de sale raclure! Encore vous! Allez, fais-moi ta poésie de merde, là. Le récital... Gris est la couleur la plus jolie. Gris est la couleur la plus jolie. Gris. Car elle est dans son nom. Mais ses putain, yeux... qui vous a... mais pourquoi? Car elle est dans son nom, ses yeux, son âme. À côté d'elle, je suis tout petit. Quand je la vois, mon cœur fait... 4504. Elle vit vers le nord, mais... entourée d'arcs... Qui vous a permis de bouger? Elle vit vers le nord, entourée d'arc-en-ciel. Je la regarde depuis les bas quartiers. J'espère que la clé est là-dedans. Oh putain. Ah si, c'est bon, allié. Il est évident que là... Moi, je m'en fous de toi, allez, casse-toi. Le directeur a perdu sa clé. Vous restez donc en cellule le temps qu'on la retrouve. La torture est repoussée. Allez, sors les gars, c'est la révolte. Vous êtes mon pote. Je me tire! Vous êtes mon pote! Je peux pas y croire! C'est la révolution, ces bâtards! C'est l'heure de payer! Je tiens ma vengeance! On va distraire les gars pour s'échapper! Oh merde! Petite moustache. On s'en fout.
Allez, dans la prison d'à côté, on va voir un peu. Je tiens ma vengeance. Bloc de cellule 3. Potion. C'est l'heure de payer. Botte de paille. Ah, je vais me faire ces gars. Inventaire. Vêtements. Allez. Allez. Il faut payer. C'est l'heure de payer. On va leur faire la peau. Je tiens ma vengeance. Là-bas, c'est cette crapule. Ah, je peux pas utiliser mes pouvoirs. Il faut payer. Oh, you. Là-bas, attendez. C'est cette crapule. Là-bas, c'est cette crapule. Oh là là, tous mes potes sont morts. Faut que j'aille là-bas. C'est lui qu'on cherche. Chambre de torture. Récupère tout ton équipement. Unun, il doit être dans la caserne. C'est là qu'il garde tout. La caserne. Putain. J'ai aucune chance, là. Avec mon petit bâton de merde, tu veux que je fasse quoi ? Gants de garde. Si j'ai de l'équipement de garde, je pourrais me faire passer pour eux et me foutre la paix. Comme dans Ghost Fatal. Il va. Chapeau de garde. Les affaires dont vous avez été dépossédés. Retour en cellule. Oula. Arme de mêlée. Grande masse d'obsidienne utilisée. Pantalon de garde. Tatouage de bras Arion. Tatouage d'épaule Arion. On va se mettre en... On va se déguiser en garde pour éviter d'attirer l'attention sur nous. Pour que j'évite d'alerter les gardes. Alors voilà, uniforme de garde. Parfait.
quand même. Là-bas, c'est cette crapule. Là, c'est lui. Ça va aller. Faut serrer les dents. Nickel. Bon, écoute. S'ils me reconnaissent quand même... À moins que c'est les gardes qui m'ont poursuivi. Du coup, ils savent que c'est moi. Je vais voir avec des gardes qui m'ont pas capté. Ferme-moi avec le levier. Vite, allons-y. Allez, venez avec moi, mère. Arrêtez ! Ah bah non. Je peux encore te fesser. C'est mort. Je peux encore te fesser. Bon ben, ça sert à rien. Vêtements, tenue, la noire, oui. Non, attendez. Voilà. Tête, hop, voilà. Et torse. Voilà. Allez, on se tire. Ce n'est plus très loin. Dépêchons-nous. Ce passage. Un peu plus loin, je suis peut-être perdu en capacité à cause de la nuit. Tu t'es entraîné. C'est bon. Allez. Un intrus. Tu t'es entraîné. Comment êtes-vous venu? Chemin de la falaise. Chez les morts vivants. Sans s'arrêter. Ce n'est plus très loin. Dépêchons-nous. Un intrus.
Tout est entraîné. Voilà. Et là, c'est la sortie. Ah, là, va peut-être y avoir le boss. Est-ce que ça m'est... Ben voilà. Je m'inquiète pas pour toi. Je vais te faire défoncer, mais je m'inquiète pas. Et ne t'inquiète pas pour moi. Je sais pas. Le désir de vengeance brûlait au fond de lui, et son destin était clair. Jack avait plongé sa vie tout entière dans les ténèbres. Il était responsable des tourments de sa sœur et de la captivité de sa mère. Bientôt, il disposerait du pouvoir absolu.
Eh bien, il semble que tu aies bien tourné. Tu t'es plutôt bien débrouillé tout à l'heure. Mais il reste encore tellement à faire. Et Jack qui s'approche de l'épée, je le sens. Il lui faut une clé pour accéder à l'épée dans sa cache. Et maintenant, il sait où elle est. La clé est à Oukost, cachée dans les ruines d'une vieille abbaye. Tu dois d'abord aller là-bas. Mais on a un avantage. Il ne sait pas que la clé n'apparaîtra qu'à un membre de notre lignée. C'est pourquoi nous devons vite trouver ta sœur, avant que Jack puisse l'utiliser. Tu devrais aller à Darkwood, voir ce portail. Il doit y avoir un moyen de l'activer. C'est le seul moyen d'accéder à Oukost. D'abord, j'ai un cadeau pour toi. Tu possèdes en toi un pouvoir inexploité. Ça fait du bien, hein? Je peux maintenant communiquer avec toi grâce à ton sceau de la guilde. Vas-y. Je vais tenter de trouver Teresa. M, récompense Dante Kraken. Eh ben, ça en fait des rebondissements. Votre sceau de la guilde a été réactivé. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais d'abord aller à la guilde. Faire le... Merde. Faire le plein. Enfin, faire le plein. Oui, faire le plein de compétences. Améliorer mes compétences. Parfait. Parfait, parfait. Là-bas. Alors, physique. Voilà. Et vigueur. Voilà. Vitesse. Voilà. Et au niveau de la volonté... Soin de vie. Ce sort permet à l'utilisateur de convertir son énergie magique en santé. Le soin peut également être effectué sur des personnes non hostiles à proximité. À plus haut niveau, la quantité de santé restaurée est accrue. Seul un héros vertueux peut maîtriser ce sort. Eh ben, on va le prendre. Voilà, on a un soin de vie. Attendez, compétence, magie, sort physique, soin de vie. Voilà, très bien. Sort d'attaque, foudre. Ah non, c'est bon, c'est parce que j'ai pas vu le logo. Magie, oui. Par contre, ça peut retourner. Hein. Je n'ai plus besoin de sort physique. Voilà. J'utilise très peu le sort de protection. Vous devriez aller voir à la porte de culisse de Darkwood. Sauvetage des condamnés. Les bandits vous ont engagé pour sauver quelqu'un pendant son transfert. Non, je m'en fous. Arbre des condamnés. Des bandits ont prévu de tendre une embuscade aux gardes qui escortent. Non. Perturbation dans Darkwood. Enquêter sur la perturbation au lac de Darkwood. Ça, on va prendre. Chasse aux primes. Les bandits ont kidnappé des habitants de Bowerstone. Suivez leurs traces et libérez les otages, oui. Espion bandit. Un groupe de bandits vous demande d'extraire l'un des espions d'un convoi de marchands. Un piège attend l'espion qui ne se doute de rien. Très bien. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode.
Donc voilà, on va aller voir un peu ce que propose le marchand, s'il a du neuf. Il va encore me traiter de bon à rien, je suppose. Vous êtes sûr de trouver votre bonheur? Montelet de maille, oui. Tout le reste, j'ai. Arme, arme de mêlée. Ah non, j'ai ça. Ok, très bien. Rechercher. Oui. Bon, voilà. Espèce de sale vaurien. Ouais. Super. Bon, bah écoutez, on va se laisser ici pour cet épisode. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Fable. Prenez soin de vous et ciao tout le monde.